Bienvenue dans l'esprit d'actu pour un débat intitulé Islam, Big Bang et Darwin, les questions qui fâchent, qui va poser dans un instant Nidal Guessoum à Abdelali Mamoun. Bienvenue messieurs, alors Nidal Guessoum, vous êtes professeur à l'université américaine de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient de paraître, Islam, Big Bang et Darwin, les questions qui fâchent, aux éditions Dervi. Abdelali Mamoun, vous êtes imam et vous tenez une émission, vous animez une émission plutôt sur Beur FM. Alors Nidal Guessoum, vous rappelez souvent lorsqu'on parle des relations entre science et islam, une réaction typique des musulmans qui consiste à dire qu'il n'y a pas de problème entre l'islam et la science. Ben, tout dépend de ce qu'on appelle la science, évidemment. Évidemment, l'islam a toujours favorisé la science dans le sens général du mot « ilm », le savoir. Il y a beaucoup de versets qui appellent le musulman à chercher le savoir, qui élèvent le rang du savant, etc. Il y a toute cette tradition islamique qui remonte au prophète, alayhi salatu salam, lui-même, et qui s'est continuée après avec tous les savants des sciences religieuses, appelons-les, puis après les savants de toutes les autres sciences. Mais ceci dit, c'est lorsqu'on arrive au temps moderne et que la science prend une autre définition, c'est pour ça que très souvent, moi, je parle de science moderne plutôt que de science de manière générale, parce que le mot science, il est un peu vague, il est un peu confus, il prête à toutes les interprétations, tous les sens du mot science, savoir, ilm, knowledge en anglais, etc. Mais lorsqu'on parle de science moderne, on parle véritablement d'une nouvelle méthodologie, de nouvelles branches de savoir, de nouvelles théories, de nouvelles connaissances, de nouveaux faits. Et là, ce n'est pas toujours une harmonie évidente. Là, il y a des questions qui, ce qu'on appelle un peu pour rigoler, les questions qui fâchent, mais des questions où il faut vraiment discuter, comprendre. Que dit la science exactement? Est-ce que l'islam accepte facilement ou s'harmonise ou, et de quelle manière, etc. Une réaction sur les rapports entre science et islam? Ben écoutez, moi, effectivement, je m'associe essentiellement à tout ce que vient de dire professeur Nidal sur la question, sur le fait que l'islam est la religion du savoir, la religion de la science, de la recherche, et toujours la recherche de ce qui permet, effectivement, de comprendre mieux la création pour contempler la puissance et la grandeur du créateur qu'il y a derrière cette création. Et donc, de ce fait, on ne peut pas, cheminer vers Allah Azza wa Jalla de façon spirituelle sans qu'il y ait une démarche scientifique, sans qu'il y ait une démarche de la connaissance. Et mieux comprendre la création d'Allah Azza wa Jal. Notamment, par exemple, le débat qui fâche, mais moi je préfère lui accorder le statut de débat qui suscite de la réflexion, qui suscite au contraire l'utilisation de la raison et de la rationalité et de la meilleure méditation ou d'une relecture de nos sources par une exégèse plus en accord, car elle est mieux éclairée par le savoir, de manière à ce que nous puissions y découvrir la grandeur et la puissance du défi scientifique qu'il peut y avoir dans le Coran. Alors Nidal Guessoum, vous rappelez qu'il est possible de bâtir une cosmologie islamique à condition qu'elle soit compatible avec la science moderne. Oui, j'ai expliqué dans le livre, d'abord dans le chapitre de cosmologie, qu'il y a toujours eu une cosmologie humaine, islamique, pré-islamique, moderne, scientifique, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de cosmologie. Cosmologie, c'est une tentative de comprendre l'univers et de se situer par rapport à cet univers. Sommes-nous au centre de l'univers de manière physique ou figurée? Ou non? Est-ce qu'il y a d'autres créatures? Est-ce qu'il y a eu d'autres vies ailleurs, etc. Combien de temps a pris toute cette création de l'univers dans tous ces éléments? Les galaxies, les astres, les planètes, l'atmosphère terrestre, l'apparition de la vie, etc. etc. Tout cela a suscité l'engouement des humains, les scientifiques et philosophes et théologiens depuis la nuit des temps. Maintenant, il y a eu évidemment une cosmologie islamique qui a été bâtie il y a 1000 ans, jusqu'à 500 ans, mais évidemment elle ne prenait pas en compte ou elle ne connaissait pas tout ce que nous savons aujourd'hui du cosmos. Et la cosmologie scientifique, véritablement scientifique, ne date que d'un an presque exactement, avec les théories, les équations d'Einstein qui datent de 1905.
1915-1916, c'est-à-dire il y a presque exactement 100 ans. Donc moi je dis que toute cosmologie aujourd'hui ne peut pas se permettre d'ignorer tout ce que rapporte la science, c'est-à-dire la cosmologie dans le sens compréhension de l'univers, ne peut pas se bâtir complètement en décalage par rapport à ce que l'astrophysique, la cosmologie véritablement scientifique, avec les observations, avec les calculs, avec les équations, avec les simulations, etc. etc. Mais écoutez, en effet, moi, ce que j'approuve dans cette démarche scientifique, c'est la dimension de concilier les références, la révélation divine faite aux prophètes au pluriel et bien sûr les découvertes scientifiques, même si celles-ci, parfois, pendant certaines qui ont été considérées comme étant indiscutables et établies, se sont avérées après, on va dire, erronées. Donc il faut quand même rester prudent face à toutes ces, on va dire, vérités scientifiques établies avec l'hypothèse que demain, si l'on découvre encore autre chose, elle puisse être remise en cause dans un de ses aspects, pas forcément dans sa totalité ou dans une autre dimension. Donc, à partir de là, moi, le travail que je fais, c'est plutôt de concilier la science avec les références, avec nos sources, et de manière à qu'elle soit la plus compréhensible par le commun des mortels. Je ne citerai par exemple que le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « وَالْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ » et le ciel que nous avons construit avec des mains. Bien sûr, je traduis de manière littérale. Et il dit ensuite « وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ » et c'est nous qui continuerons, c'est Dieu bien sûr qui parle au pluriel pour se glorifier. Il dit « لَمُوسِعُونَ » c'est-à-dire nous allons continuer à lui donner une expansion de manière continuelle. Il n'utilise pas de temps, ni présent, ni passé, ni futur, mais il utilise ce qu'on appelle le participe présent, c'est-à-dire « ism al-fa'il »« لَمُوسِعُونَ » et nous allons continuer à l'agrandir. Donc le Coran à ce niveau-là confirme bien, où la science même elle-même confirme bien ce qu'il y a dans le Coran, où l'univers est en expansion, et qu'à partir de là, alhamdoulilah, il est tout à fait possible de concilier découverte scientifique avec texte coranique. Vous voulez réagir, Nidal Gassou ? Oui, je pense qu'il faut effectivement faire un effort de réconciliation ou de conciliation des textes, des croyances, des dogmes, avec toutes les connaissances. Il faut effectivement faire la part des choses entre ce qui est véritablement établi dans la science et ce qui est encore spéculatif ou ce qui est tentative, des hypothèses, des théories qui ne sont pas encore confirmées, etc. Ceci dit, il faut faire attention de ne pas trop se lier au texte tel qu'il est compris à un certain moment ou compris par certains, parce que c'est ce qui a donné très, très souvent, j'ai devant moi ici des textes de certains savants saoudiens des plus connus et des plus influents, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, etc., qui, se basant justement sur certains versets, rejetaient de la science qui était complètement établie. Par exemple, ici, j'ai un texte, un livret de Cheikh Ibn Baz publié en 1982, et un texte de Cheikh Uthaymin publié en 1986 qui insiste que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, que la Terre est fixe, et qui déclare pratiquement hérétique ceux qui déclarent quelque chose qui n'est pas complètement conforme à ce qu'ils disent, eux, ces savants, sur la base de certains versets. Et alors que c'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre tourne autour d'elle-même, ce que rejettent ces savants, était en 1982-1986 établi depuis des siècles et des siècles, depuis au moins Galilée, pour ne pas dire jusqu'à Copernic, au milieu du XVIe siècle. Donc il faut faire très attention de ne pas s'arc-bouter à certains versets, mais plutôt de dire aux scientifiques, est-ce que vous êtes sûr que ce fait ou cette idée est absolument établie et qu'on ne reviendra pas dessus demain? Si les scientifiques unanimement disent « oui, ça c'est établi », alors là, on peut aller réinterpréter les textes pour s'assurer qu'on est en harmonie, qu'on ne dit pas des choses qui vont être absolument absurdes. Mais il faut faire attention. Alors on va parler des questions qui fâchent, notamment la question de l'évolution biologique et humaine qui constitue, selon vous, Nidal Gassoum, un blocage majeur dans le monde musulman. Oui, parce qu'il y a des sondages aujourd'hui un peu partout dans le monde musulman, y compris dans mon université même où moi j'ai fait un sondage, où on trouve que généralement entre 60 et 80% des musulmans rejettent la théorie de l'évolution. Une très grande majorité ou une grande majorité ne veut même pas l'apprendre, ne veut même pas qu'elle soit enseignée, refuse d'assister au cours d'évolution, etc. Tout de suite, il y a ce saut à certains versets
et dire « Ah non, non, mais il y a des versets qui disent » et on leur dit « Mais c'est à peu près la même logique qui, il y a des décennies ou il y a des siècles, les gens disaient « Ah mais non, il y a des versets qui disent que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et pas l'inverse. » Et on leur dit « Mais faites attention parce que vous allez vous retrouver en contradiction avec des choses qui sont complètement établies, où on a des faits observés dans le laboratoire, dans la Terre, dans les fossiles, dans la génétique, etc. » Mais justement, à cause de cette lecture littéraliste de certains versets du Coran, où les gens ont reçu tout un héritage de certaines exégèses, de certaines compréhensions des textes, et ils disent, il y a des textes qui disent que Dieu a créé Adam directement, et donc il n'est pas question que Adam ait évolué d'autres espèces moins humaines ou pré-humaines. Ça, c'est complètement à rejeter. À la limite, certains musulmans, un certain nombre de musulmans acceptent qu'il y a eu évolution d'autres organismes, d'autres animaux, qu'il y a eu évolution des reptiles ou des oiseaux ou des poissons. Souvent ne pose pas toujours, mais souvent ne pose pas de problème aux musulmans. Mais dès qu'on parle d'évolution humaine, alors là, il y a des versets qui constituent véritablement un blocage. Je réponds tout de suite. Allez-y, je vous en prie. Alors en effet, effectivement, ce nombre important, ce pourcentage très important de la communauté musulmane réfute un certain nombre de théories, c'est tout simplement parce que ces savants-là, qui sont les référents de cette population, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir quelle est l'opinion publique, mais véritablement qu'est-ce que disent les sources de l'islam et comment elles ont été interprétées par l'élite, par Al-Khawas al-Umma, et non pas par l'Awam, par le commun des musulmans, mais par l'élite et par ces savants. En effet, l'accumulation des versets dans le Coran, dans lequel Allah Azza wa Jal évoque le fait qu'il a créé Adam, qu'il a façonné, une fois il va parler de terre, min turabin, une fois il va parler de tin, de boue, une fois il va parler de tin in lazib, c'est-à-dire de terre collante, ensuite il va parler de min hama'in masnoun, c'est-à-dire d'une boue malléable, ensuite il va parler de salsal in kalfakhar, c'est-à-dire d'argile qui est utilisée comme une poterie, salfakhar c'est la fameuse poterie fabriquée. Et donc, à partir de là, ces savants-là vont en conclure que cette transformation a été spontanée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas subi, à travers le temps, la transformation, l'utilisation de quelque chose qui aurait précédé l'être humain, qui aurait été moins parfait, moins bien constitué pour atteindre, à travers cette évolution qu'évoquent justement Darwin et les évolutionnistes, atteindre cet être humain qui est la perfection. Et je dirais même qu'il y a même des versets qui appuient la théorie de Darwin. Un verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jalla fait sourate An-Naml, il dit « Wallahu khalaqa kulla dabbatin » et Dieu a créé tout être qui marche sur terre. « Dabba » c'est cette créature qui marche sur terre « min ma » de l'eau. Et justement, c'est exactement ce que évoque Darwin et les savants évolutionnistes qui disent que toute créature, finalement, à l'origine, vient de l'eau et que dans l'eau, les acides aminés se transforment en molécules. Ensuite, il y a des créatures qui se transforment en poissons. Ensuite, voilà, jusqu'à arriver aux primates et des primates jusqu'à l'être humain. Donc, la problématique qu'il va y avoir, c'est l'histoire qui va être relative à l'événement même où Allah Azza wa Jal dit qu'il a créé et dans lequel il s'adresse aux anges. Et on a l'impression qu'il y a une spontanéité, c'est-à-dire qu'il y a une action d'interruption entre tout ce qu'il a pu faire dans le passé et ce qu'il va enfin, par une déclaration qu'il fait aux anges, il dit « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً » Je vais mettre en place, je vais désigner sur terre un successeur, un vicaire, c'est en parlant de l'être humain. « فَإِذَا سَوَّيْتُهُ » Il dit « Au moment où je vais le façonner, je vais le consolider. وَنَفَخْتُ فِيهِمْ رُوحِي » Et dans lequel je vais lui insouffler de mon âme, de mon esprit, un esprit inconnu. Puisque quand on interroge, ils t'interrogeront sur l'âme, dis-leur que c'est une affaire qui concerne Dieu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Ça restera quelque chose jusqu'à la fin des temps, comme un mystère que Dieu s'est réservé la compréhension. Donc cette âme que Dieu va insouffler, et qui est donc de ce fait pour ces savants-là et pour ces exégètes-là, quelque chose de spontané, il y a une rupture entre l'évolution, entre la continuité de l'évolution et la création de Adam. Donc, et que Adam n'a rien à voir avec ses prédécesseurs,
comme l'évoque Nidal dans son livre, dans lequel il soulève que tous les maillons qui précèdent l'être humain, du primate jusqu'à l'être humain, sont tout à fait, aujourd'hui, on a découvert, c'est-à-dire tous les maillons de la chaîne existent, donc il est tout à fait possible que l'homme descende du primate. Et donc que Adam et Ève ont des parents, c'est-à-dire qu'ils ont des ascendants dans lesquels ils ont été conçus dans le ventre de leurs parents. Alors que justement, ces versets-là soulèvent justement l'incompatibilité et que justement, Allah Azza wa Jalla n'a pas donné de parents à Adam et que même Ève a été créée d'une côte d'Adam, puisque dans le Bukhari, le prophète sallam dit « Astawsu bin nisa'i khayra fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj » Hadith rapporté dans le Bukhari que le prophète recommande un bon comportement avec les femmes, car ces femmes-là ont été consolidées et créées d'une côte, la côte d'Adam. Une réaction, Nidal Guessoum ? Oui, d'abord il faut revenir à la science. Il faut savoir qu'est-ce que nous dit la science, parce que lorsque nous avons des faits sur la table, des faits devant nous, des faits sur la terre ou des faits dans les cieux, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de les prendre en compte et de les intégrer. Parce que dire quoi que ce soit qui serait contraire à ce que nous voyons devant nous, à ce que nous observons, à l'expérience que nous faisons dans le laboratoire, etc., ça rendrait quasiment schizophrénique. Et ça, ce n'est pas possible. Et c'est la même chose que c'est le même travail, le même effort, le même ijtihad qui a été fait par les musulmans lorsqu'ils ont compris comment fonctionnent les cieux, comment fonctionnent les planètes, comment fonctionne la Terre, le Soleil, etc., la Lune, le croissant lunaire, etc. Ils ont intégré tout cela. Et c'est la même chose qu'il faut faire, parce que dire autre chose, c'est carrément dire aux gens, nous rejetons la science. Maintenant, il n'y a pas, dans tout ce que vous avez dit, il n'y a pas forcément, il y a deux mots que je n'accepte pas, dans tout ce que vous avez présenté, le gros est plus ou moins acceptable, mais le mot rupture, ça c'est une interprétation, c'est un rajout. Et deuxièmement, l'idée qu'il y a eu une séparation, qu'il y a l'homme, Adam, est complètement séparé de tout le reste de la création, je crois que tout cela ne figure pas forcément dans le Coran. Maintenant, le Coran, vous avez bien dit, parle effectivement d'évolution, sans utiliser le mot tatawur ou irtiqa, etc., mais il parle d'évolution, il parle de ces êtres, de ces animaux qui sont sortis de l'eau, qui ont évolué, d'abba, qui marchent. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ عَلَى أَرْبَعٍ, etc. Il y a tout cela. Et il y a aussi cette idée de khalqin min ba'di khalqin, qu'il y a création après création, et qu'il rajoute, et qu'il y a atwar, et qu'il y a des étapes par lesquelles l'homme est passé, que ce soit dans le ventre de sa mère, etc. Même lorsque Dieu, par exemple, parle de Isa, Isa qui dit kun fayakun à Jésus, lorsqu'il l'a créé, il lui a dit « kun fayakun », mais nous savons très bien que Jésus est passé par 9 mois de gestation et d'enfantement. Donc ce « kun fayakun » ne veut pas forcément dire instantanément et que Dieu crée à partir de rien du tout, à partir, lorsqu'il parle d'argile, il parle, évidemment, ce sont des extraits ou ce sont des éléments et qu'il y a eu toute cette formation. Bon. Est-ce qu'il y a maintenant forcément un clash, un conflit entre les deux visions, les deux narratives, si on peut les appeler comme ça? Moi, je pense que l'idée que Adam avait des ancêtres, avait des parents, et qu'il y avait d'autres qui n'étaient pas humains au sens où vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire où il y avait cette ruh, il y avait cette âme, il y avait cet esprit, il y avait cette communication avec Dieu, etc. Tous ceux qui ont précédé Adam n'avaient pas tout cela, et donc c'était des pré-humains. Je ne vois pas où est le problème à ce que Adam est le premier humain, le premier à avoir une âme divine, à une capacité à communiquer spirituel, l'esprit avec Dieu, etc. Et nous l'appellerons le premier humain au sens où nous le définissons. Tous les autres sont pré-humains. Je ne vois pas où cela contredirait la révélation de manière générale, la spiritualité musulmane, le rapport de l'homme à Dieu, le rapport de l'homme à l'autre, aux humains, notre mission sur Terre. Je ne vois pas du tout. Au contraire, ça nous rapprocherait de tout le reste de la création de Dieu, ça nous mettrait en harmonie avec tout ce que dit la science, et alhamdoulilah, rabbil alamin. Tout le débat se joue sur la phrase, ou plutôt l'expression divine, « فَإِذَا سَوَّيْتُهُ هَذِي التَّسْوِيَةِ » Cette consolidation, cette création.
est-ce qu'elle a été spontanée, c'est-à-dire que Dieu a pris de l'argile, comme il est cité dans un hadith du prophète, Inna Allah qabada qabdatan min kulli, il a pris un morceau de terre de chaque région du monde. Il y a parmi celles-ci une terre blanche, une terre noire, une terre rouge, etc. Et donc dans lequel il soulève qu'effectivement il y a une action divine qui est spontanée, ou est-ce que l'on peut dire que la notion du temps pour Allah elle n'existe pas? Et que Allah transcende le temps. Et quand, par exemple, quand il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et que nous, nous savons aujourd'hui que le Big Bang a eu lieu il y a plus de 13 milliards d'années, pour Allah, Azzawajal, vu qu'il transcende le temps et qu'il n'est pas dépendant de ce temps qu'il crée et qu'il a créé, eh bien, pour lui, ça peut être qu'un laps de temps, qu'à nos yeux, ça nous paraît extrêmement important. Donc, ça peut effectivement concilier l'idée. La seule problématique qui va rester, c'est est-ce que Adam est issu d'ascendant ? C'est-à-dire, a-t-il des ascendants ? Ces versets du Coran qui font allusion à où est-ce que Dieu façonne Adam de ses propres mains, hein, quand il s'adresse à Iblis, où il dit... Il y a Iblis ou ma mana'aka, qu'est-ce qu'il t'a empêché? Un tasjouda lima khalaqtu biyadei, de ce que j'ai façonné de mes propres mains. Eh bien, il y a effectivement dans cette phrase-là la sous-idée que l'action a été faite spontanément et qu'il y a rupture avec le passé, que Adam n'a pas d'ascendant et qu'il est une nouvelle créature façonnée que Dieu a soufflé. Et donc là, tout est là le débat, certes. Maintenant, la vérité scientifique nous parle que tous les maillons existent. Et donc Adam peut avoir, il peut être dans cette continuité de l'évolution. Mais la question qui se pose, est-ce que la science exige le fait que Adam ait un ascendant? C'est-à-dire que est-ce qu'il impose le fait qu'il ne puisse pas y avoir de rupture? Est-ce que la science dit que non, il n'y a pas pu y avoir de rupture, mais la science, au contraire, affirme qu'il y a pu y avoir continuité. C'est ça ce que dit la science. Elle ne dit pas qu'il y a pu y avoir que la rupture est impossible. Elle dit que la continuité est possible. Il y a une différence entre dire que la rupture est impossible et le fait que la continuité soit possible. Et c'est là tout le débat. Nidal. La science ne dit jamais qu'il y a rupture où que ce soit. C'est le Coran qui le dit. Attendez. La science ne dit jamais qu'il y a rupture dans n'importe quel processus naturel de par le monde et de par l'univers. Donc, lorsque nous acceptons que la science nous dit qu'il y a tel et tel processus qui mène de là à là, à là, à là, à là, et nous le prenons complètement, que ce soit pour l'évolution de la Terre, que ce soit l'évolution de l'univers, comme vous avez dit, en 13,8 milliards d'années, la formation des galaxies, la formation des systèmes solaires, la formation des planètes, l'évolution de l'atmosphère terrestre, l'eau qui devient liquide, etc. Tout cela est fait de manière continue, et je ne connais aucun musulman qui dit qu'il ne faut pas prendre cette continuité en compte. Lorsque nous observons n'importe quel phénomène sur Terre, qu'il soit en rapport avec nous, humains, ou qu'il soit en rapport complètement naturel avec la Terre et l'air et l'eau, etc., tout ce qui est décrit par la science est continu. Et donc, lorsqu'on revient et contraste toute cette évolution biologique des animaux, des êtres sur la Terre, et qu'elle est complètement continue et que nous l'acceptons, mais qu'on en arrive à l'humain et qu'on dit « Ah non, la science ne dit pas forcément qu'il y a eu continuité ou que c'est pas obligé qu'il y a eu cette continuité, il y a pu y avoir une rupture », je dis « Mais pourquoi on veut imposer cette rupture? Pourquoi ne pas accepter cette continuité ?» tout en disant « Mais il y a eu ce saut spirituel qui est absolument fondamental ». C'est là peut-être qu'il y a cette rupture, si on peut parler de rupture, c'est qu'il y a un déclic spirituel qui constitue véritablement la naissance de l'homme au sens où nous le définissons, c'est-à-dire un spirituel. Et donc à ce moment-là, on peut parler d'un saut, si on veut, je ne dirais pas une rupture, mais un saut spirituel, mental, neurologique, intellectuel, cognitif, etc. Mais sur le plan du processus qui s'est produit, il est forcément continu. Le souci qu'il y a, professeur Nidal, avec tout le respect, je compatis avec tout ce que vous évoquez, et la logique, la rationalité de votre discours est tout à fait, moi, respectable. Il n'empêche qu'il y a certains versets aujourd'hui qui exigent cette rupture, tels que par exemple le verset dans lequel Allah Azzawajal dit « وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ » Il a commencé la création de l'homme par de la terre, par de la boue. Il n'a pas dit par tout un processus évolutionniste. Il dit donc
à travers ce verset-là, on a l'impression que « wabada'a », c'est une logique de commencement de l'homme, de la création de l'homme par de la terre. Donc ça crée une dichotomie entre l'évolution qui précède Adam avec l'être humain. Je terminerai par un autre exemple, si vous le permettez, où effectivement, Allah Azza wa Jal nous évoque, quand il s'adresse aux anges, et qu'il dit, quand je vais créer cet homme, je vous ordonne de vous prosterner. Et qu'ensuite, il a créé sa femme de sa côte, et ensuite, il demande à Adam et à Ève d'habiter le paradis. Donc, après avoir créé Adam et Ève de terre, il le prend avec sa femme et il lui dit « Installez-vous, prenez domiciliation. » Et là, tout bien sûr, le récit qui relève de la tentation du diable et puis en plus, enfin, le fait que Dieu pardonne à Adam sa faute et l'envoie sur terre pour répandre la foi et tester l'humanité. Alors, une réaction d'Ida sur le sens de ces versets. D'accord. Rapidement. Alors d'abord, bada'a veut dire commencement. Au contraire, moi je vois la création de l'homme comme étant une création qui s'installe dans le temps, qui a commencé dans cette boue où effectivement la vie est apparue et qu'elle s'est développée, évoluée, qu'elle a donné d'autres créatures et qu'à la fin, évidemment, l'objectif, le but, la finalité, si on peut dire, de toute cette création, c'était de produire cet être qui est spirituel, qui va communiquer avec Dieu. Donc le fait que ça a commencé dans la boue, moi, ça ne me pose aucun problème. Je ne vois pas que cela va contredire la science. Deuxièmement, maintenant, vous savez, cher Abdel Ali, encore mieux que moi, qu'il y a eu des exégètes, qu'il y a eu des savants musulmans, des érudits musulmans, dans le passé et au présent, qui ont dit que ce paradis n'était pas forcément un paradis dans le ciel, qu'il était peut-être un paradis terrestre. Il y a eu tout cela. El-Jannah, ça veut dire le jardin, ni plus ni moins. Et qu'il y a eu peut-être une création sur terre qui était une création paradisiaque, disons, dans un lieu paradisiaque, ça, c'est pas moi qui le dis. Oui, Arbetou, c'est descendez, ça veut dire descendez, vous êtes expulsés, vous sortez de là parce que vous avez désobéi. C'était une leçon pour l'humain à apprendre en ces premiers temps. Si tu fais le bien, eh ben, tu seras récompensé. Si tu n'obéis pas, tu seras puni. Et la punition, c'est une petite punition parce que c'est comme un enfant, on ne va pas le tuer, on va lui dire, eh ben, tu sors du jardin, tu ne vas pas jouer maintenant, tu vas aller souffrir un petit peu dans ton petit coin. Donc, il n'y a pas forcément de contradiction flagrante où il n'y a pas possibilité de réconciliation. Moi, je pense que tout cela peut être raffiné un petit peu, raccorder, et je pense qu'il y a cette possibilité de réconcilier tout cela. Au-delà, je voudrais terminer là-dessus. Ce qui m'inquiète dans cette démarche, même si je pense que docteur Lestad ou Nidal est bien sûr accompagné de nobles intentions de concilier science et vérité coranique et révélation. Il n'empêche que ce que j'ai peur, c'est que derrière des personnes mal intentionnées aient pour idée de vous prouver l'autonomie de la création, de l'existence, d'un besoin d'un créateur, d'une intelligence qui dessine et qui accompagne et même crée et qui transforme cette création. Il est important qu'à travers le discours de Nidal, qui, je pense, est tout à fait respectable. Je suis convaincu du caractère très respectable de cette opinion-là, parce que je suis quelqu'un ouvert à la diversité de ce qui peut être vrai. Wallahu a'lam fi haqiqat al-umur hadihi kulliha. Et l'avenir peut-être nous le dira, parce qu'on découvrira peut-être d'autres choses. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui utilisent justement cela pour prouver justement le fait qu'il n'y a pas de créateur et que l'idéologie créationniste que nous adoptons nous est totalement fausse et que Dieu n'existe pas. Nidal, à votre conclusion. C'est effectivement tout l'objectif de mon travail, de ne pas donner aux musulmans un choix binaire qui consiste à dire soit vous prenez cette science matérialiste athée où il n'y a pas possibilité de réconcilier avec Dieu et avec la croyance et avec la révélation, soit vous prenez les anciennes croyances qui sont complètement aberrantes et irréconciliables avec ce que dit la science aujourd'hui, et donc on leur dit, écoutez, Darwin, l'évolution, ça vous mène vers le non-créateur,
c'est la nature, c'est le hasard, etc. Et la croyance musulmane vous dit des choses complètement différentes de ce que vous dit la science, et vous devez choisir. Eh bien, cher Abdel Ali, j'ai bien peur que les gens choisiront la science plutôt que les anciennes croyances. Moi, je leur offre cette possibilité de réconcilier, d'être en harmonie avec la science, tout en gardant cette révélation, cette croyance, ces dogmes musulmans qui auront été un petit peu raffinés. Donc, le Coran et la science nous appartiennent. C'est ça ce que vous voulez dire. Exact. Merci à vous, messieurs. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Nidal, Islam, Big Bang et Darwin, les questions qui fâchent, paru aux éditions Derby.